Bon, il faut savoir que là, j'ai pas mes lunettes, je vois rien du tout, mais à skip, l'amour en aveugle. Donc, on est dans le thème tout ce que vous voulez. Mais là, je me rends compte que j'ai décidé de vous lire des choses. Du coup, j'ai décidé de vous lire les pires passages du train. J'ai décidé de vous lire les pire date que les gens ont pu avoir sur Twitter. J'en vois plein en ce moment, vu que c'est la Saint-Valentin, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je me suis dit, je ne suis pas originale. J'ai pas envie de vous pondre un truc original, donc je vais vous lire des tweets. Voilà. Nouveau concept sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaira, parce que moi, j'adore ça. Mais, je crois que je vais mettre mes lunettes. Vous avez vu mon make-up? C'est bon? Vous avez vu, j'ai réussi à faire deux petits cœurs, on dirait juste que j'ai la rougeole. C'est pas grave, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Bon! Par souci d'anonymat et de grosse flemme au montage, je ne mettrai pas les tweets. J'ai pas envie. Voilà. Quelqu'un a demandé sur Twitter, je cite, racontez-moi vos pires dates rancards, j'ai envie de rigoler. Donc, je vais voir seulement les citer, parce que moi, les réponses, je m'en fiche. Il y a eu 3240 citations. On ne va pas tous les dire, mais j'en ai vu quelques-uns qui m'ont bien plu. Donc là, on en a une qui nous fait un petit. Comment on dit? Un petit dialogue. Vous allez voir, ça fait peur. Je t'ai invité ce soir, mais je préfère te dire tout de suite qu'il n'y aura rien de sérieux parce que t'es pas mon genre. Déjà, du coup, pourquoi? J'aime les filles très petites, avec les cheveux très longs et le moins de forme possible. Ça commence très fort. Ah oui, non, mais je vous ai pas dit, on va pas monter crescendo, quoi, il va y avoir des descentes, des... Voilà. Ok, tu fais quoi déjà dans la vie? Instit. Pourquoi? Donc en fait, tu es en train de décrire. Potentiellement, tu es un gros pédophile. Il faut savoir que j'ai lu les commentaires sous celui-ci et elle disait qu'à l'époque, elle fait toujours 1m57, 45 kilos. Donc la fille était fine, vraiment. Donc en fait, non, le problème, c'était les femmes adultes. Vraiment un date que je souhaite à personne parce que tu te demandes si tu dois appeler les flics ou pas, quoi. Il m'a emmené manger des sushis. Lorsque j'ai passé ma commande, il m'a dit, ah ouais, tu manges, hein? Et c'est au hasard parce qu'il s'est mis tout seul, mais vous savez déjà, enfin, je pense que vous savez déjà, mais non, on ne fait pas de commentaires sur ce que mangent les gens. En fait, les gens peuvent potentiellement avoir des TCA ou un très gros appétit et c'est OK! Ou pas d'appétit du tout, c'est OK aussi. J'ai dit oui, il a dit tu devrais pas. Et je me lève, je te laisse la note et je me casse. Celui-ci, je l'avais heurté. Après s'être vanté pendant 1 heure sur toutes les réussites de sa vie sans me poser une seule question sur moi, il m'a demandé sur 10, tu me donnes quelle note physiquement? Pardon, mais qui fait ça? Non, 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 je suis désolée, mais. Non. Déjà, si tu acceptes un date avec une personne, en général, c'est quand même que tu la trouves attrayante. Je pense. À moins que tu sois un ou une grosse michto, tu veux juste un repas gratuit. En général, c'est... Qui te demande, ouais, tu me trouves comment? Enfin, en tout cas, même, tu peux me demander, tu me trouves comment? Mais sur une note de 1 à 10, selon quels critères? L'occasion était trop belle, j'ai dit 4. Rendez-vous s'est terminé là. Désolée, mais moi, ça me fume. Ça me fume! Il m'a montré sa sextape. Ça se passe de commentaires. Non, celui-ci me dégoûte. Il est sorti de la voiture en me faisant croire qu'il allait se moucher. Il était parti chier derrière la voiture. Me demandez pas comment je l'ai découvert. Le pire, c'est qu'après, ça a commencé à puer. Tu peux pas faire pire, là. Que t'aies besoin de te soulager. À la rigueur, tu communiques. J'ai besoin d'aller aux toilettes. J'ai besoin, voilà, j'ai besoin d'aller aux toilettes. T'es pas obligé de donner des détails. Il y a des toilettes publiques, il y a moyen. Bon, ok, tu peux faire ça en pleine nature. Déjà, hein, il faut savoir. Hein. Les hommes, là, quand vous pissez au bord de la route et que vous vous cachez même pas votre petit pioupiou, là. Je vous klaxonne en balle et comme ça vous vous faites sur vos chaussures. Je suis désolée, mais j'ai
Aucun respect pour vous de ce côté-là, cachez-vous un minimum. Nous, on doit cacher notre cul ou n'importe quoi, mais vous, vous... Non, non. Mais alors là, non, c'est dégueulasse. Dans la même veine que l'autre, tu devrais pas manger autant. Il m'a dit, tu manges beaucoup quand même au milieu du repas. Il a dit non quand on nous a proposé la carte des desserts. Tu m'empêches pas de manger un dessert, frérot. J'ai envie d'un dessert, je vais manger un dessert, en fait. Comment ça? Comment ça, vous voulez contrôler ce que mangent les gens? Ah non, non, vraiment, date ton carton, hein. Ah oui, je l'ai vu, celui-ci. Celui-ci, je vous le lis, on va voir ensuite. On parle après. On est là pour juger, normalement, et là, je juge même pas. Enfin, c'est vu que c'est les pires dates, mais il y a des trucs. Là, celui-ci, Je suis arrivée dans ma voiture, je l'ai vu arriver de loin, beaucoup, écrit en majuscule, beaucoup plus petit que moi, il marchait vite avec ses petites jambes-là, j'ai démarré en trombe. Perso, ben c'est lui qui a vécu le pire date. Enfin, de base, s'il y avait date, c'est que il y avait un truc, vous vous entendiez bien, et ça fait quoi qu'il soit plus petit que toi? Après, qu'est-ce que t'appelles beaucoup plus petit? Et est-ce que c'est un critère réel si vous vous entendiez bien? Je sais pas, mais au moins t'aurais pu lui dire bonjour et pas te démarrer. Il t'a vu? C'est sûr, il t'a vu. Enfin, pour moi, c'est lui vraiment qui a... Enfin, déjà, je me dis peut-être potentiellement s'il est entouré de masques toxiques là qui lui disent « Ouais, t'es typeux et tout, tu vas jamais, jamais pouvoir pécho et tout. » Il va à un date. La go te voit de loin et démarre. À la rigueur, tu parles 5 minutes, tu dis bah en fait j'ai un truc de prévu, je m'en vais. Enfin, même si c'est grillé que voilà, mais vous vous étiez parlé avant. Enfin, je sais pas. Non, vraiment. Il était sur Grindr pendant le date et il a vu son oncle dessus. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Grindr, c'est Tinder, mais pour les gays. Ça veut dire le gars est en détente. Non seulement t'es là, t'es en date. Et tu dis, Théma, sur Grindr, il y a mon oncle. Le summum. Mais en vrai, ça me rappelle un bail. Petit date. Là, c'est perso. petit date. Bon, bref. Donc, le gars vient chez moi, on discute, et c'est pas, je vois, il envoie des petits cœurs et tout, et une autre go. Alors, ça va, on n'était pas du tout dans un mode de, on recherche un truc sérieux ou je ne sais quoi, mais... Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais personnellement, hein, peut-être... Bon, j'avais 22, 23 ans à l'époque, peut-être que... Mais là, 10 ans plus tard, je suis désolée, mais même quand tu veux quelque chose de pas sérieux, il y a un minimum de respect. Je dis pas que tu peux pas parler à d'autres personnes. Déjà, t'es pas obligée de le montrer que tu parles à d'autres personnes. Ensuite, faut en discuter, machin, est-ce qu'on est exclusif, pas ça? Ok. Mais, juste, t'es avec quelqu'un, t'es en date, envoie pas des messages à quelqu'un d'autre. Enfin... Pas ce type de message-là. Et surtout, ouais, le respect, les petits dates avant, you know, c'est le minimum, en fait. Je sais pas, pour moi, c'est le minimum. Mais bon, bref. Elle m'a sorti un ukulélé et elle m'a fait une démo alors que j'avais absolument rien demandé. Pardon, mais les gens qui jouent du ukulélé, vous êtes comme ça. Je sais déjà, les gens qui ont un ukulélé, une guitare, mais un ukulélé surtout. Non, je suis navrée, mais non. C'est pas grave si vous faites du ukulélé, attention, je veux pas vous shame, mais vous êtes comme ça. Vous le sentez à tout bout de champ alors qu'on a rien demandé, ça me cuit. Moi, je suis désolée, mais comme je suis pas réceptive à la musique, ou moi, tu me chantes une chanson, tu veux faire gênant. Ça dépend quoi, mais non, mais le ukulélé, bon, pardon. On marchait et il s'est arrêté pour danser en plein milieu de la Défense. La Défense, quartier, bureau, tout ça, grande tour, grande place, beaucoup de monde tout le temps. Pour me montrer un pas. Bien en heure de pointe, en plus la honte. Bon, je suis partagée, parce que datez pas des danseurs dans ces cas-là. Vraiment, les danseurs vont danser à n'importe quel moment, sur le quai de la gare, à la rencontre avec vos parents. Vraiment, vraiment, les danseurs, c'est tout le temps, partout.
tu savais probablement que c'était un danseur. Oui, tu ne t'attendais pas à ce qu'il danse devant toi. Après, c'est ça aussi qu'on vous reproche, les danseurs ou les danseuses. C'est, on vous a rien demandé. Vous voulez forcément nous montrer vos pas. On s'en carre. Enfin, je suis désolée, mais si, datez entre vous, c'est mieux. Sincèrement, parce que, sauf, ah non, je dis on s'en carre, c'est pas vrai, on s'en carre pas, mais si c'est votre seule et unique passion, des fois c'est dur. C'est dur pour l'autre qui s'y partage pas la même passion. Avoir une seule passion, je dis ça, mais j'ai pas 1000 passions non plus, j'ai ce que j'en ai, même tout court. Ça, c'est quelque chose, mais. Mais non, non, enfin, je sais pas, montrez-lui plus tard. Surtout si c'est pour faire un petit truc éclaté. J'ai fait un petit truc éclaté, pardon, autant pour moi. Je vais me mettre à dos tous les danseurs de YouTube, là. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il commence à aboyer sur tous les piétons qu'il croisait. Mais comment ça, en fait? Comment ça, il aboyait sur les gens? Ah, t'es tombé sur un vrai champ, mais là, c'est chaud. Il a taillé une pipe. Ça commence mal si c'est pas toi, enfin, je veux dire. À la bouteille d'eau au restaurant en me fixant. C'est quelle gênance. C'est quelle gênance. Tu sais, dans un cadre peut-être plus intime, où vous connaissez bien, tu veux lui faire comprendre, tu vois, mais au resto avec une bouteille d'eau. Ah, moi, tu me coupes l'appétit direct. Totalement ma faute, mais très marrant. Je suis nouveau dans la ville, je connais pas les endroits stylés, je l'amène dans un bar au hasard. C'était en fait un strip club. Je trouve ça mince, en vrai, parce que si la personne n'est pas non plus de la ville, à la rigueur, c'est pas non plus que c'est un strip club, la personne a quand même accepté sinon. Donc ça veut dire que, enfin, je sais pas, mais moi je check toujours là où on veut m'emmener, notamment dans les restaurants, parce que j'ai besoin de connaître la carte avant. Because je ne paye pas, je ne vais pas dans un endroit dépenser de l'argent pour un repas médiocre. Ça peut arriver que tu dises, bon, bah, ça avait l'air bon, ça l'est pas. Mais si sur la carte il n'y a rien qui m'intéresse, je ne vais pas manger. C'est hors de question. Mais bon, les bars c'est un peu différent, mais des fois je vais quand même regarder l'ambiance. C'est-à-dire que la personne n'a pas de check, la personne, si elle était de la ville, savait que c'était un truc club de strip. Je sais, j'ai trop de questions. Mais c'est pas un mauvais date. Pour l'autre personne, peut-être. Il m'a dit, je pourrais te réciter le livre des psaumes en latin, mais je vais pas le faire, ce serait présomptueux. Tu te dis, bon. Très bien, le mec est passionné, croyant, tout ça. J'ai ri, gêné, il a pris ça pour un encouragement, c'était les 15 minutes les plus longues de ma vie. Le latin, c'est ok, j'ai fait latin, hein, donc il n'y a pas de problème, je connais l'Ave Maria par cœur, un petit peu du Pater Noster. Mais non, je suis désolée, mais non, en fait, à moins de dater un passionné comme toi, et vous allez vous échanger les psaumes en latin. Quel est l'intérêt? Je mens pas. Elle a sorti son téléphone, elle s'est mise sur l'application Note et elle a commencé à me rapper un freestyle. Je sais pas si c'est une mauvaise chose, si c'est un pire date. J'ai déjà vécu un gars qui voulait rapper. Et j'ai vu dans les autres réponses, beaucoup ont vécu ça. Non. Je suis désolée, mais le truc, c'est que je trouve ça trop bien, d'un côté, que t'aies une passion et tout. J'adore le rap, c'est pas un problème. Mais imagine, j'aime pas ce que tu fais. Premier date, tu te mets à rapper, je suis là. Bah non. Non, en fait. C'est compliqué. Bon, j'espère que cette petite lecture vous aura plu. C'était un petit truc vite fait, j'avais envie de marquer la Saint-Valentin. Tout ça pour dire que des fois, vous êtes le pire date de quelqu'un, ça arrive, c'est pas très grave. Là, je vous ai lu les plus fun, machin, tout ça. Mais soyez pas gênant. Si vous avez une passion, je dis pas qu'il faut pas en parler. Mais, enfin, j'espère que votre passion n'est pas toute votre personnalité, ça. Enfin, je sais pas quoi vous dire parce que.
Parce que je suis nulle en date. Je suis nulle en date. Donc, j'étais là pour juger de base, pas pour vous donner des conseils. Bref, ne suivez pas mes conseils. Hormis le fait de liker, partager cette vidéo et me suivre sur Insta. Et puis sur ce, bonne Saint-Valentin. Salut!